Bonjour, monsieur le président de... La République. Bonjour, monsieur. Je suis content de vous voir parce que, bon, bah, je vous ai jamais vu. Et aussi, je suis content parce qu'on a des points communs. Bah, moi aussi, je suis stagiaire, mais journaliste. Avec votre métier, oh, vous devez prendre des décisions. Un peu comme moi. Alors, laquelle vous avez prise, lesquelles vous prendrez pas, et lesquelles vous savez pas qu'on vous a dit que vous prendrez. Je vais vous répondre. Vous savez, je suis actuellement à mi-mandat. Ami mandat, bois donc ton verre, renversera. Ensemble, nous allons faire de grandes réformes. Jean d'Anguilis, François Hollande, il ne pourra pas les appliquer, ces réformes. Je l'ai entendu. Vous aussi. Mais moi, je dis non. Plutôt, si. Alors, si vous en êtes d'accord, prenons les problèmes secteur par secteur pour être en prise avec mon courant. C'est vrai, vous avez raison, l'éducation, c'est important. C'est moi, je me souviens une fois, bon, j'étais en 4e D, alors, trois dans l'eau, mais j'ai un prof de maths, mais c'était pas du tout prévu, c'était ça qui était intéressant. C'était un lundi, et donc, on n'était pas du tout préparé, hein, évidemment, c'était pas prévu. Et à un moment donné, il y a le prof qui dit, ah bah, vous avez une demi-heure pour finir. Et moi, je dis, bah, pour finir quoi? C'est important, l'éducation. L'école, j'en ai fait mon cheval de bataille. C'est pas pour rien que dès mon investiture, j'ai rendu hommage à Jules Ferry, qui a beaucoup fait pour la République. C'est bien grâce à Ferry qu'on peut aller en Corse en bateau. Ma priorité sera de lutter contre l'illettrisme. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à cause de la politique catastrophique de la droite, 50% des écoliers croient que le petit poussait parce qu'il était constipé. Mais avec moi, grâce au changement, ça va changer. Ce qui nous changera. Je vais faire en sorte qu'avant 2016, chaque enfant de 22 ans sache lire et compter en sortant du CM2. Et si ça marche pas, ils pourront toujours intégrer l'équipe de France de football. Vous avez déclaré le 12... Je me souviens plus du mois. Alors, mes parents, l'hôpital, la santé, vous dites, j'en fais mon cheval de bataille, quoi, vous avez pas répondu. Si, mais je vais répondre. Les Français ont le droit de connaître ma réponse, et vous aussi. J'en fais vos chevaux de bataille. Les injustices, comme ça, pour les malades, tout ça, oui. Etc. Les injustices. Il y a des bègues qui, chaque mois, explosent leur forfait portable. Des aveugles qui ont des chiens sourds.
Et des sourds qui ont des chiens aveugles, d'où les accidents quand ils se croisent. Et les alcooliques. Les alcooliques, il faut les aider. Et pas seulement Martine Aubry. Alors, on va parler aussi, on peut parler des personnes âgées et tout ça. Parce c'est que important. Moi, j'ai ma cousine Dolores Boudboul qui est sa mère en maison de retraite. Bon, bah, elle en fout pas une. Hein. Pourtant, bon, bah, là où elle est, bon, il y a plein d'endroits où elle pourra faire des trucs, pas loin. Bon, par exemple, il y a un terrain de cross, terrain de rugby, bon, c'est toujours vide. Hein. Mais ça aussi, je l'ai dit, je me suis engagé auprès des Français. Je me dois de les aider, ces personnes. J'ai dans certains hospices que j'ai visités, c'est touchant. Il y a des petits vieux qui, le soir en se couchant, mettent leurs dentiers sous leur oreiller, des fois que la petite souris passerait. Mais il faut les occuper, leur trouver des occupations pour qu'ils s'occupent. Je veux organiser des jeux, faire un grand damier dans la cour et faire jouer les incontinents, les jaunes contre les marrons. Ça, ce sont des réformes. Alors, par rapport aux guerres, parce que les guerres, c'est important quand même d'en parler. C'est pas bien. Ben oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui, ben c'est pas bien. Je le redis, c'est pas bien. Oui, mais enfin, c'est pas bien. Mais c'est pas bien, la guerre. J'ai pas fini ma phrase. Yannick Noah le dit tout le temps. Oui, il y a Patrick Bruel qui le disait aussi. Il y a Patrick Bruel aussi. Il y en avait d'autres encore, j'avais vu. Mais c'était sur... Même à l'époque d'Anne Sinclair, il y en a plein qui disaient des trucs qui... Sur la guerre. Sur la guerre, c'était con. Parce que c'est pas bien. Oui. Alors, vous êtes plutôt pour, réponse A, contre, autre. Autrement, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est une question très intéressante, je vais y répondre. La guerre, je suis contre. Vous savez que j'avais décidé de retirer nos troupes d'Afghanistan pour les envoyer au Mali. Mais la France a toujours été généreuse. À Kaboul, en partant, on leur a laissé nos toiles de tente pour habiller leurs femmes. Alors, autre chose. Alors, si vous étiez un dessert, vous seriez plutôt une religieuse, une tête de nègre ou un gland? Un petit peu les trois à la fois, je pense. Un gland quand même aussi. Mmh. Une tête aussi. Une tête de gland. Mmh. Mais j'apprécie votre question. C'est gentil. Alors, autrement, on a un autre point commun. Bon, on est écolo tous les deux. Moi, chez moi, j'ai plus de papier dans les toilettes. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour l'écologie? Jean d'Anguilise. Les éoliennes, ça gâche le paysage. Mais avec Ségolène Royal, on a trouvé la solution. On va les enterrer, les éoliennes. Comme ça, tout le monde sera content. Alors, on va parler d'autres choses. Alors moi, quand j'étais en 4e D, bon, à 3 dans l'aube, il y a mon copain Dedel, bon, c'était lui le chef de classe. Et je me rappelle, au bout de 6 mois, on lui disait, on a quand même l'impression que t'en fous pas une, quand même. Et vous? Si! Vous savez, j'ai de grands projets. Oui, c'est ça, vous en avez. Enfin, mais pour la France. Oui, pour la France. Alors, autre chose. Ah ouais, mais alors là, c'est le moment où j'avais gommé tout à l'heure, et là, je sais plus. Tu vois, c'est écrit autre chose, j'ai gommé. Autre chose, et là, j'ai gommé. C'est gommé. J'ai gommé, on peut mettre... Ben, c'est gommé. Voilà. C'est gommé. Ben oui, mais là, j'ai mis autre chose, quoi. Mais là, après, c'est gommé, quoi. Ah oui. Quand alors, autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, en général? Voilà une question de fond.
à laquelle je vais m'empresser de répondre. Mon objectif, c'est de faire baisser le chômage. Quand on pense qu'il suffirait qu'il y ait du travail pour qu'il y ait de l'emploi. Et en ce qui concerne l'euro, alors ? Oui, je sais. Vous savez que l'euro perd de sa valeur. Par mesure d'économie et pour économiser du papier, nous allons réduire la taille des billets de banque en euros. En revanche, nous allons agrandir la taille des rouleaux de papier cul parce que vous n'avez pas fini d'en chier. Merci. Ben merci, Monsieur le Président de la République. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Michael, je viens de Montréal. Et si ce soir je suis là devant vous, c'est parce qu'on m'a demandé de venir vous parler. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas très bien dans votre peau. Moi, je suis bien dans ma peau. En même temps, j'ai de la place. Non, c'est vrai, je suis bien dans ma peau. Vous, ça se voit, vous n'êtes pas bien. Non, ça se voit, vous n'êtes pas bien dans votre peau. La même sur qui on voit que c'est la peau qui n'est pas bien dessus. Quand elle plisse comme ça, c'est qu'elle veut partir. Faut la laisser tranquille.